ça va nickel. Aujourd'hui, on est là, comblé le titre de la vidéo, les mecs. Nous sommes là, je vais aller dans un concours de pêche. Alors le but, en gros, les mecs, c'est celui qui attrape le plus gros poisson empoche la quasi-totalité de la mise, car tous les participants vont mettre 10 euros. Donc en gros, chaque participant devra mettre 10 euros. À la fin, la personne qui aura ramassé, enfin qui aura attrapé le plus gros poisson, gagnera, raflera complètement toute la mise, toute la gagnée. Voilà, voilà les gars. Normalement, nous attendons à peu près une vingtaine de participants, donc voilà, un truc comme ça. Donc ça ferait, je dirais, entre 180 et 200 euros à remporter, les mecs. Voilà, je suis, cette vidéo, je la fais avec Pêcheur du 13, les mecs, voilà, avec Pêcheur du 13, qui sera avec moi là-bas, puisque c'est lui qui organise tout ce concours. Je vous laisserai le lien de sa page Facebook, parce qu'il n'a pas de chaîne YouTube, mais il a une page Facebook. Alors je vous laisserai le lien de sa page Facebook dans la description, ne vous inquiétez pas, pour tous les amoureux de la pêche, pour tous ceux qui aiment tout ça, ils pourront checker sur le lien et aller voir la page Facebook de Pêcheur du 13. Voilà, alors nous, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laissez-moi un pouce bleu si vous aimez la vidéo, et on est parti pour le concours de pêche, les mecs, allez! Déjà, pour les arrivants qui viennent d'arriver, allez, on a installé les cannes à pêche déjà, sur les trépieds, là, ici, une autre, je vous montre, ici aussi, regardez, une autre là, voilà. Nous avons regardé comme c'est beau, Faust. Bon, après là-bas, vous avez les usines, hein, les mecs. Hein. Ah, je vous montre. J'espère qu'on va sortir des beaux poissons. Je vais vous montrer ça, les gars. Bon, on va sortir des beaux poissons, des dorades, des sars. Alors, vous verrez que là, regardez ici aussi. Là, nous avons des puits, vous voyez. Là. Allez, quand je vous montre. Là. Alors, on attend plus de monde, bien sûr, vers 6h. 6h, 6h30, je crois. Donc, là, je vous montre un peu déjà. Qui sont calés. Alors ici nous sommes à Fos, on a un petit canal de Fos. Vous pouvez voir, regardez, ils ont déjà installé les trépieds pour le canapé. Ah, nous entendons encore du monde, les gars. Encore du monde, donc vers, je crois que c'est vers 6h30. Ah, regardez, là, on a installé aussi les canards, les cannes ici, vous pouvez les voir là. Là, je vous montre un peu. Allez, de l'ensemble, les mecs. Voilà. Voilà les gars, là, il y a combien Thomas là pour le concours? 170. Alors là, il y a 160 euros pour le concours, les pour gars. Pour l'instant. Voilà, en gros, le plus gros poisson, c'est lui qui remporte tout ça, les mecs. Vous avez compris, je crois. Voilà. Voilà les gars, nous sommes là. Pour le concours. Enchanté. Avec Julien. Voilà. La Vegas. Voilà. J'espère que voilà. Bon, vous savez ce qu'il faut pas dire les gars, donc je le dis pas. Donc voilà, voilà, t'as compris. Il a compris. Voilà, bien là. Tout à fait mon ami. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Excusez-moi. Je vais vous montrer les autres concurrents au fur et à mesure. Hein. Ici, nous avons encore un concurrent qui participe. Alors je vous rappelle un peu l'enjeu. Hein. Le plus gros poisson remporte tout les gars. Hop, ah, je vais me lever un peu. Ah, je vais regarder, il va lancer. Hop. Et voilà, vous voyez un peu. Voilà, là je suis aussi avec d'autres concurrents. Voilà. Tu t'appelles Tony. Avec Tony, je peux te filmer ou ouais. Voilà, avec Tony. Qui fait partie qui va faire partie du concours aussi, voilà, en gros. Voilà, là vous voyez son installation, je crois qu'il y a son ami, vous participez aussi, hein, c'est ça? Oui. Voilà, et il y a son ami aussi, je peux vous filmer? Voilà, il y a son ami aussi qui participe, alors je vous montre un peu tous les concurrents qu'il y a. Voilà, je crois qu'on est, quoi, vous êtes 17, c'est ça? Pour l'instant, ouais. Voilà, 17 et peut-être encore des gens qui vont arriver. Voilà. Ah, regardez comme c'est beau la mer, hein, c'est magnifique le mec. Franchement, c'est agréable. C'est agréable, là vous êtes bien là.
Là, c'est agréable, honnêtement. Je vais vous montrer les autres concurrents de là-bas. On est parti. Et là, je suis avec un autre concurrent, avec mon fils Antoine, voilà, qui est avec moi là. Bah, il veut pas passer sur la vidéo, c'est pas grave. Quoi. Mais je vous montre quand même son matériel et ce qu'il fait. Avec quoi tu pêches, toi? Ah, il a mis le couteau, lui. D'accord. Alors, les deux cannes à pêche avec le couteau? Ah, ok. Voilà. Si tu attrapes, tu me préviens. Comme ça, je peux le filmer. Voilà, les gars. Voilà. Alors, je vous montre une concurrente, parce que c'est une fille. Elle pêche au mouron, les mecs. Voilà, regardez. Moi, je... Voilà. On verra, hein. On verra bien. Voilà, les gars. Alors, nous sommes avec un concurrent, Jason. Voilà. Jason, 20 ans, la femme. Tranquille, nickel. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais là? Dis-nous ce que tu fais là en fait. On commence à préparer les apports. Alors qu'est-ce que tu as dans les mains là? Un couteau, ça s'appelle. Un couteau. Une aiguille. Voilà. Et là, tu vas le mettre sur ta ligne, c'est ça? Ouais, je vais le mettre sur ma deuxième ligne. D'accord. Ouais, il a deux cannes à pêche le mec. Regardez, ça lance et tout, regardez. Voilà. Nickel. Alors on est avec Jason. Voilà. Là, je dois lancer à droite parce que ma canne elle est en marche. D'accord, je me pousse un peu, comme ça je te laisse m'en voir. Voilà. Nickel. Je t'appuie un peu, c'est bon. On est avec Thomas. Alors Thomas, c'est pêcheur du 13, comme vous voyez sur son t-shirt. Il a une page Facebook, le mec. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook pour ceux que ça intéresse. Comme ça, ils peuvent aller directement voir. Voilà, surtout pour les pêcheurs, hein, les gars. Et les amoureux de la pêche, bien sûr, des poissons. Et tout ça. Voilà, là, il a tout son matériel posé. Voilà, lui aussi, il pêche. Avec quoi tu as mis quoi dedans, toi? Américain. Ah, voilà. Verre américain, les gars. Alors, il y en a qui pêchent au couteau, d'autres verre américain, d'autres au crabe. Et voilà. Un peu tout quoi. Voilà la dorade qu'il a attrapée. Voilà, on ouvre le bal. Avec une dorade. Alors combien elle pèse celle-là, tu crois, à ton avis? Celle-là, elle doit faire 100 grammes, 150 grammes. 150 grammes? Ouais, facile. Elle est belle, hein, déjà. Le concours pêche du sud du 13, on est là. Je suis réunis, on va être une trentaine, c'est pas encore l'heure, c'est dommage. Voilà, comme je vous ai dit, les amis. Quand c'est petit, voilà. Il va la remettre à l'eau, le gars. Regardez, il va la remettre à l'eau. Je vais vous montrer. Il va la remettre à l'eau. Regardez. Et merci. Eh ouais, merci, les gars. Voilà. MRTV est avec vous, les gars, aussi. Avec Pêcheur du 13. Voilà, vous le savez, les mecs. Nickel. Qui va remporter le concours? Ça. On verra bien. C'est à voir. On verra bien, voilà, on verra bien. Mais déjà, tu commences bien déjà. Déjà, ouais. Voilà. On peut dire ça, hein. Ouais. Voilà. Voilà la famille. Champion. Champion. Champion du monde. Dis-moi combien il pèse celui-là. Il va faire 1,5 kg. Regardez ça, les gars. Tu vas le relâcher, non? Ouais. Ah. Il va le relâcher, les gars. Il va le faire pour le loup. Ouais. Voilà les gars, regardez ce qu'il a attrapé. Alors c'est quoi ça? Hein? Ça c'est un poisson caillou. C'est un rocher les mecs, il a attrapé un rocher. Voilà, je vous montre un peu, montre-moi le. Il est magnifique les gars. Alors c'est quoi ça? Une dorade. Une dorade, à peu près de combien tu crois? Ça. Ouais, à vue, à l'œil, à l'œil. Hein? 150. Quoi? Dans les 150 grammes? D'accord. Elle est magnifique les mecs, regardez comme elle est belle. Oh, allez, tu vas me faire quoi? Tu vas la remettre? Ouais, après tu peux la pêche. Voilà, 150 grammes gros. 150 grammes, je pense. Voilà, elle est belle. Ouais, elle fait combien exactement? Elle est validée celle-là. 195 grammes. 195 grammes les gars, elle est validée. Allez, voilà. Voilà. 195 grammes, c'est bon? C'est bon, validé pour voilà, le c'est bon. Validé, mais on la rejette à l'eau. Oui. Exactement, les gars, vous avez compris. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est un bon jet. Allez. Nickel. 195 pour Jean. Ouais. C'est mon fils. Va la relâcher, les gars. Et voilà. Est-ce qu'elle fera plus de 150?
telle est la question. Alors ça, voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est rien, pareil. Elle est belle, hein? Alors, je sais pas comment elle fait, il faut la peser, en fait. Hein. Pesons! Il nous faut la balance pour pouvoir la peser. Ah oui, elle est... Ah ouais. C'est dommage, hein? Ouais. Non, mais après, il faut voir, ouais, faut voir, faut voir. 175 grammes. Alors vas-y, mets-la vers moi. Allez. 175 grammes, elle fait, les gars. Elle est validée. Elle est validée, pour mais c'est aller, pas assez. Aller à l'eau. Voilà, pour aller à l'eau. Oh. Oh, la bouche. Hein. Oh, elle est magnifique. 175 grammes, les gars. 175 relâchez. Grammes. Regardez. Relâchez, elle va la relâcher, regardez, il va la relâcher, les gars. Maintenant. Je vais aller, je vais aller. Allez, hop. Il va la relâcher dans l'eau, les gars. Bien, bien sûr, ouais, il n'y a pas de souci. Et voilà, elle est repartie. Voilà, les mecs. Nickel. Avec 195 grammes. Voilà, c'est moi, c'est ma faute. Elle est là, la deuxième. Vas-y, Antoine, tu peux me la mettre devant. Voilà. Oh, elle est magnifique, regardez ça les gars. Elle bouge dans tous les sens, elle bouge, le bordel. Alors celle-là, tu crois qu'elle est plus grosse ou moins grosse à ton avis? Moins grosse. Moins grosse. Moins grosse, elle va mourir. Alors, qui c'est qui a dit 130? Moi. 130. 130, ouais. Ah ben. 130 grammes elle fait, elle. 130. Allez, tu peux la rejeter, mais c'est dommage. Ouais. Voilà les amis, alors à l'œil nu elle doit faire combien à peu près? 150 même pas. Non. Non. Je pense pas moi 150. 120. Dans les 100, 110, ouais. Moi j'ai 80. Je pense qu'elle a valu. Hein. Allez maintenant on va. 80? Je pense, ouais. 85. Ça, 150. Allez, 85 grammes, mais c'est pas validé hein, les gars, celle-là. 180, 85 grammes. Mais elle est jolie, elle est jolie. Elle est jolie. Elle va repartir à l'eau, les gars. Elle va repartir à l'eau. Ah ouais, elle aussi, elle a chopé vers la chopée en dessous. Regardez, là, regardez où elle a attrapé. Putain, on le voit bien là. Salade. 8 kilos frère, on va l'aider au 8 kilos. Faut faire quel temps maintenant des pierres. Là, t'as pour le bordel. Allez, faites le pronostic. Allez, à peu près à combien, qu'est-ce que tu en penses toi? À combien elle fait? Un peu plus que 85. Elle en fait 100 grammes. D'accord, on va voir ça. 165. Ah, pas mal hein? 165. Ah, c'est beau hein? On les voit les pros. Elle est belle, elle est belle. Elle est validée, 165 grammes, elle est validée. Elle est retournée dans un bout de. Voilà. Attends, tu me la montres bien. Voilà. Ah. Elle est magnifique. Papa ne me jette plein de sang là comme ça. Voilà. Les gars, 165 grammes. Voilà. Elle a pas dépassé les 195, mais elle est magnifique. Elle est troisième en vrai. Ouais. L'autre fait 165. Ouais, elle est à la troisième place. Elle est à la troisième place, voilà. Elle est belle, elle est belle. Elle est belle, ma femme. Voilà. On pourra pas la relâcher parce qu'elle va mourir. Ouais, comme les autres, comme elle saigne. Voilà, elle saigne, mais elle est belle. Oh, 180. 180. Tu peux la garder, elle va mourir. Non, elle a pas dépassé, ça n'a pas dépassé encore. Il 180, il est beau. Elle est magnifique. Garde-la. Elle va mourir. Elle va mourir, garde-la. Elle a cagué les pieds. Elle a cagué les pieds. Ouais, regarde, elle mort. Ah, je vous la montre. 180, c'est ça hein? 180. 180. Ouais, 180. Elle est belle, elle est belle. C'est dommage, les gars. 180. Elle est à la deuxième place. Elle atteint la deuxième place. Elle détrône la deuxième place, c'est ça. À la deuxième place. Elle est magnifique. Il est 10h et nous sommes toujours là. Alors, en tête, toujours mon fils avec une petite dorade de 195 grammes. Voilà. Je vous montre un peu, là-bas ça fèche. Ah, oui.
Ouais, ça fait chauffer de partout, les gars. Ouais. Ça fait chauffer de fraîcheur. Ouais, ça fait chauffer. Voilà comment ça se passe, les gars. Alors, les amis, comment ça se passe ici? C'est bon. Ça fume tranquille. Ah, ok. Ouais. La belle ville, hein. Alors, ça se passe là-bas? Il y a des piquets un peu? Un peu, ouais. Il y a eu le toucher, mais bon, pas grand chose, quoi. Elle est bizarre, cette crevette. C'est une crevette de sable, tu filmes? Ah ouais. C'est une crevette de? C'est une crevette de sable, ça. D'accord. Un gombao. D'accord. Ouais. Et elle devient fluorescente, c'est ça? Je vais te montrer comment elle devient fluorescente. Ah, vas-y. Ah, vous allez voir ça, les gars. Petit tour de magie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prends Starlight. D'accord. J'ai vu ça dans une vidéo. Ah, vas-y. Je te laisse expliquer. Alors, tu éclates un peu Starlight. D'accord. Ouais, pour qu'il devienne fluorescent. Voilà. Je prends la serpette. c'est quoi le sabre de Tigo? Là, j'ai appris. Depuis, tu t'avais éclairé. Quoi. Ah oui, pardon. Voilà. Excuse. Tu vois, seringue. Ouais. C'est vrai, plus pour la picouse. Hop, ça c'est pas pour le Covid, les mecs. Hein. T'inspires. Ok, en gros, tu prends le liquide qu'il y a dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je mets un peu d'eau, après il y a un peu d'eau dans le sol. Mmh. Je vais rajouter un peu d'eau. Et regarde la crevette. On voit bien avec ta caméra. Ah ouais. Là. Ouais. On la pique, hein. On la pique pour le Covid, les mecs. Hein. Hop, vaccin pour le Covid. Regardez comment elle devient fluorescente, regardez. Voilà. Regardez ça. Regarde sur ma tablette comme on la voit. Oui. Là les poissons, ils les voient à 3 km. Ah ouais. C'est hard, les gars. Regardez ça. Elle piste. Oh, c'est un truc de malade. C'est trop beau. Oh, c'est un truc de fou. Voilà les gars, vous avez compris comment on fait. Voilà, on lance et après la dorade à la voile, ouais. Elle vient à fond. Incroyable. Ah. C'est incroyable. Ce poisson ne compte pas. Ouais. Bon, on l'a gardé depuis 2 minutes parce que. Ouais. Mais je veux de la grillade. Je veux quand même vous le montrer alors. Voilà, c'est la petite gague de la souris, ça s'appelle un beau yeux. Voilà. Il compte pas, mais regardez, ça s'appelle un beau yeux. Voilà. Voilà, bah, il doit peser au moins 50 grammes, même pas. Voilà, à peu près, ouais. Il a tapé gros. Attends, je vais mettre les yeux, que tu vois bien. Ouais. Il a tapé fort, on a cristé une grosse. Hein. Bah, finalement, c'est un tic-tac. Il est petit. Je vais le garder pour le loup parce qu'il a, ben, comme tous les autres poissons, il a avalé. Ah ouais, ça va être pour le loup. Ouais. Voilà les gars. Voilà. Ça s'appelle ? Une bérade. Bon, ça compte pas les gars. Ça compte pas, mais je vous la montre quand même. Elle est belle. Elle est très belle, hein. C'est joli en vrai. Hein ? Regardez-moi ça. Et ça doit peser combien à ton avis ? 100 grammes. Ouais, elle est jolie celle-là. Ouais, c'est beau. Voilà. Pêcheur du 13 qui vient de prendre ça. Malheureusement, ça compte pas, mais elle est jolie quand même. Là, le gagnant, avec le soude à les mains, voilà. Son poisson faisait 195 grammes, les gars. Il faisait 5 grammes, il a reçu des plombs. Il lui a fait avaler des pierres. Voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous plaît. Sur ce, les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce bleu. Petit pouce. Voilà. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, tu sais.